Bienvenue sur la chaîne Élevage de la Plaine d'Afrique TV. Alors si tu aimes cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas vraiment à t'abonner et liker et nous lâcher un pouce pour nous encourager vraiment. Alors, le but du sujet c'est quoi? Dans cette vidéo, je vais vous donner les bonnes qualités d'une femelle. Les bonnes qualités d'une femelle reproductrice. Donc comment sélectionner une femelle reproductrice? Comment sélectionner une lapéro tout dans sa ferme pour augmenter son chaptel? Donc comment sélectionner vraiment sa reproductrice, puisque il y a des gens qui tu pars dans la ferme, tu vois les reproductrices, ça ne vaut pas la peine. Quand les petits cochons comme ça là. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment sélectionner ses reproducteurs. Comment sélectionner ses reproducteurs. Oui, comment sélectionner tes reproducteurs. Alors si ça t'intéresse vraiment, abonne-toi, like et partage la vidéo. On se retrouve après ce générique pour plus de suspense. Bienvenue chez l'élevage des lapins en Afrique TV. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut pour le plus, sois bienvenue sur la chaîne comme je vous ai dit. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une bonne sélection de ses reproductrices. Comment faire une bonne sélection de ces reproductrices? Je vais te montrer vraiment ça. C'est une vidéo complète. Vous voyez un peu comme ça, c'est vraiment. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, like et partage vraiment la vidéo. Ok. Aujourd'hui, les internautes m'ont posé la question. Ils m'ont posé la question de savoir comment faire pour sélectionner une bonne reproductrice. Ok, pour faire cela, nous avons des facteurs. Je vais vous donner trois facteurs à cette vidéo. Trois choses que vous devez respecter avant de sélectionner une reproductrice. La première des choses, c'est quoi? La première des choses, il faut prendre une reproductrice à l'âge de 3 mois. Sélectionner une reproductrice à l'âge de 3 mois qui n'a jamais atteint d'une maladie. Qui n'a jamais été atteinte d'une maladie. Donc, voyez un peu. Donc, tu prends une femelle qui n'a jamais atteint d'une maladie. Qui n'est jamais tombée malade. Jusqu'à son âge de 3 mois, elle n'est jamais tombée malade. Cela te garantit d'abord que la femelle, d'abord elle-même, elle est normale. Pas de problème de santé, tout. C'est normal. Voyez un peu. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? Abonne-toi d'abord. La deuxième chose, ouais, comme je vous dis vraiment, c'est sa maman. Veuillez souvent regarder, prendre la peine de savoir la race de la lapine, la race où c'est ses parents, donc sa génité en fait. Sa génité. Il faut bien savoir qui est son père, tout là. Il faut bien savoir cela. Connaître comment ses parents étaient. C'est très important. Puisque si, par exemple, elle est portée peut-être de 6 lapéros. Elle vient du port de 6 lapéros. Elle ne sera pas très bonne pour la reproduction chez vous. Elle ne sera pas très bonne. Il faut prendre les lapines qui viennent d'une portée de minimum 8 lapéros. Là, même chez toi, elle va donner des grandes portées. Elle va bien donner des portées chez toi. Très grandes portées. Qui vont faire en sorte que ton chapitre va facilement avancer. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est le deuxième facteur à mettre en place. À ne pas oublier. À prendre ça en considération. Lorsque vous voulez acheter une lapine, vraiment prenez ça en considération. C'est Judesca, ouais. Votre promoteur depuis un an. Judesca. Aidez-moi là à mettre cette chaîne jusqu'à 100 000 abonnés. Oui. Abonnez-vous. Je vous donne des astuces. Il y a des gens qui investissent. Il y a des gens qui investissent les 4 millions. Parce qu'il faut pas m'éviter. Ils comptent sur moi. Ils investissent 4 millions. Parce que c'est facile. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est Judesca. Élevage de la peine affective va bientôt devenir élevage de la peau au monde. Ouais. Bon, pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, c'est quoi? Vraiment, quand vous prenez vos lapines là, quand tu vas acheter une reproductrice, il faut prendre la peine d'acheter ça chez les élèves de la peau. Prendre la peine d'acheter ça chez les élèves de la peau. Bon, parce que quoi? Chez les élèves, un élève de la peau connaît sa formulation d'aliments qui donne. Et il faut prendre un lapin qu'on a bien nourri avec une bonne formation d'aliments qui a été débrassé au moment.
L'orgueil au moment, c'est quoi? Dans des parasités, à l'heure qu'il faut les déparasiter. Ils ont été déparasités. Ils ont été traités, bien traités, en fait, oxygène, les vitamines, VitaFlash, tout. Donc, ils ont été bien traités pendant leur période de puberté. Donc, ils ont été bien nourris. On a bien pris soin d'eux. C'est très important, c'est très important. Ne négligez pas ça. Donc, comme récapitulatif, on va reprendre trois causes, trois facteurs pour bien choisir son sang reproductrice. Nous avons ses parents, connaître de quel porteur vient. Elle vient du porteur de quel nombre de la peau. Donc, c'est une lapine qui vient d'une grande portée. Très important. Deuxième chose, c'est quoi? C'est prendre une lapine qui n'est jamais tombée malade. Prends un lapin qui n'est jamais tombé malade. Et l'âge la plus bonne pour sélectionner son reproducteur, c'est 3 mois. Mâle comme femelle, prenez ça 3 mois. Ouais. Ceci c'est pour les femelles. Cette vidéo, c'est pour les femelles. Je vais te montrer dans une autre vidéo comment sélectionner un bon reproducteur. Puisque pour les reproducteurs, c'est très différent. Bon, comme plus de cadeaux, je vais te dire, n'engraisse pas les laporos que tu veux les utiliser comme pour la reproduction. Ne les engraisse pas. À l'âge de 3 mois, nourrissez-la avec des aliments reproducteurs. Pour qu'ils grandissent normalement comme le reproducteur. Ne prends pas la peau là-bas, tu engraisses, tu deviens gros comme le porc. Après, tu vas accoupler, pas la donne de sa mère. Hey, arrêtez ça, c'est juste ça. Quand ils vous parlent, vous comprenez. Ouais. C'est pas de la force, c'est pas de la beauté. Ayez confiance en moi, c'est juste ça. Quand vous prenez la pine qui n'a jamais été malade, n'est jamais tombé malade. Ce type de lapin là qu'il vous faut. Vous voyez un peu ici. L'année prochaine, il faut une bonne formulation d'aliments. Très bonne formulation d'aliments. Vous prenez une formulation d'aliments adaptée au lapin. C'est ça qui va vous permettre d'avoir vraiment des très grandes portées. C'était tout pour cette vidéo, vraiment. Vous voyez, on a perdu beaucoup de temps à faire des vidéos, mais sinon, jusqu'à je suis là. Tu as besoin de n'importe quoi. Écris-moi avec le mot que tu veux dans la barre de description et tout. Je serai disponible pour vous servir. En passant, notre jeune frère, le petit élevage du lapin, FK, il a perdu sa chaîne YouTube. C'est très mal. Ça fait très mal. Vous voyez comment dans cette vidéo, bon, c'est naze. Sinon, je dois vous donner des astuces. Donc vraiment, abonnez-vous chez lui. Si cette vidéo fait 2000 vues, il faut que 1000 personnes puissent s'abonner à lui. Au minimum 1000 personnes. Allez vous abonner, les gars. Le lien de sa chaîne se trouve dans la barre de description. Le premier lien. S'il vous plaît, abonnez-vous vraiment chez lui. Ouais. Je tiens à vous rappeler que c'est notre frère. Et lui, il est très puissant. Il donne des astuces pratiques. Pratiques vraiment. Voyez. Ouais. Donne pas des astuces. Tu vas partir lire les livres de 400 pages. De deux trucs que tu vas réussir maintenant. Lancez-vous jusqu'à. Bye.